fragile. Sacha, attention! Vous inquiétez pas, je maîtrise. Oh, laisse-nous t'aider à passer la porte. Merci, mais je vais y arriver. Attention! Tu vois, je maîtrise. Je vous avais dit que je maîtrisais. T'es vraiment maladroit aujourd'hui, Sacha. Tu trébuches et tu te prends les pieds dans tout ce qui traîne. Attention. Ce n'est pas le seul à être maladroit. Regardez. Vous voyez, je suis pas maladroit. Les autres sont bien pires que moi. Je parie que quelqu'un a posé cette poubelle exprès sur mon chemin. Une bêtise, ça arrive à tout le monde. Mais là, tout le monde en fait en même temps. C'est pas un hasard. Il faut qu'on découvre qui se cache derrière tout ça. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les... Les soucis. Oups. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Ha ! Greg devient... Regardons un peu ce qui s'est passé en ville aujourd'hui. On dirait que quelque chose rend tout le monde empoté. Mais quoi? Je sais pas, mais ça doit être l'horreur d'être aussi maladroit tout le temps. J'ai rien. Regardez, à l'autre bout de la ville. C'est juste derrière la bibliothèque. On prend le chabolide. On peut prendre la reptilomobile plutôt? Oui, tu n'as pas l'air de... tenir très bien debout. Mais bien sûr que si, je l'ai fait exprès d'atterrir dans cette position. C'est une nouvelle technique de saut. Je vois pas pourquoi vous me trouvez maladroit. Je maîtrise parfaitement la situation. Regardez, c'est le laboratoire de Roméo. Je savais que c'était encore un coup de Roméo. Place à l'action. Yo-yo, rapido. Attends, je vais descendre en premier. Comme ça, je pourrai nous protéger de l'extérieur. Je devrais peut-être l'aider. Pas besoin, prépare-toi au décollage. Oups, mauvaise manip. Le glume collant. 1000 reptiles. Ah, vous n'avez aucune chance, les pyjamasques. Alors, quel genre de maladresse conviendrait le mieux à ce lézard gluant? Glissade à gogo? Zigzag de zinzin? Non, deux mains gauches. Parfait. Mais qu'est-ce qui arrive à mes super mains collantes? Sérieux? Je vérifiais juste que Gluglu s'était pas fait mal au pied. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais rien, mais j'arrive plus à m'agripper au poteau. Évidemment que tu n'y arrives plus. À cause de moi, tu as deux mains gauches. Alors, c'est un genre de laser à maladresse? Pas un genre. C'est le plus ingénieux des rayons à maladresse jamais inventé. Oh non! Gluglu a été touché. Oui, et tout ça parce que tu t'es déjà pris le laser. Sauf qu'au lieu de l'admettre, tu as conduit comme un empoté et Gluglu a dû sortir du chapolide. Empoté? Moi? Tu rêves? Regarde un peu l'agilité de chat avec laquelle je vais mettre ce rayon laser hors d'usage. Yo-yo, rapido! Yo-yo, attends!
n'a pas été touché. Oh, yo-yo, ma petite voix. Protège Bibou du rayon. C'est la seule qui n'a pas encore été touchée. À part moi. Mais je te suis. Je vais dévier le rayon avec ce panneau. Oh, mes mains glissent. Je vais t'aider. J'aurai pas de mal à y arriver vu que je suis pas maladroit. Tout le monde va bien? Ouais. Quoi? Non. Te voilà aussi maladroite que les autres maintenant, cervelle d'oiseau. Mon rayon t'a touché en mode zigzag de zinzin. Tu voleras plus jamais droit de ta vie. Je n'arrive plus à me stabiliser ni à m'arrêter. C'est une catastrophe. Vous êtes aussi maladroit l'un que l'autre. Comment on va faire pour vous guérir de ça? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu es aussi maladroit que nous? Parce que je ne le suis pas. Je suis aussi agile qu'un chat. Je vous ai tous rendu maladroit maintenant. La tête de Piaf, le tétard à tatiner. Et toi en premier. Le chat de gouttière. Tu veux dire que c'est Yo-Yo que t'as visé en premier? Bien sûr, la nuit dernière, pendant qu'il dormait. Et maintenant, je vais rendre le monde entier maladroit pour pouvoir tous vous contrôler. Oh non! Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'en empêcher. A plus, les super pâteaux! Alors, tu vois qu'il t'a empoté, et bien avant nous en plus. Oui, mais... Wow! Vous avez raison, il m'a eu. Et plutôt que de bien vouloir l'admettre, je vous ai laissé vous faire avoir aussi. Je suis désolée. Ça va, Yo-Yo, on t'en veut pas. C'est vrai? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas en nous emmêlant les pinceaux sans arrêt qu'on va arrêter Roméo. On est toujours les pyjamasques. On trouvera une solution pour réussir notre mission. C'est l'heure d'être un vrai héros. Attention, on arrive, Roméo. Ouais. Ça risque juste d'être un peu plus long que d'habitude. Faut qu'on se concentre et surtout qu'on se serre les coudes. Ok, roule tout droit. Déjà, ce sera bien. Non, tout droit. Hein? Vous n'êtes pas assez maladroit comme ça? Vous en voulez les pyjamas? Moi, je vous trouve déjà bien mou. On a besoin d'un meilleur plan. Je ne maîtrise plus la voiture, sortez d'ici. Même quand on veut s'échapper, on est maladroit. Quoi? Non, va-t'en de là, le chabidu. Non. Non. Touché par mon propre laser. Maintenant que toi aussi tu es maladroit comme tout le monde, il va falloir que tu répares toutes les maladresses. Hors de question. Tant pis si je souffre de glissade à gogo, de zigzag, de zinzin et qu'à présent j'ai deux mains gauches. Jamais je ne détruirai mon magnifique laser à maladresse. Donc il faut détruire le rayon laser pour inverser ses effets. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Trop tard. T'as vendu la mèche maintenant, Roméo. Vous êtes trop maladroit. Regardez-moi m'échapper en beauté. Qu'est-ce que je te dis, espèce de labo dingo? Roméo est trop maladroit pour conduire son labo. Mais comment on va l'arrêter dans notre état? Je sais comment. Quand on essayait de ne pas être maladroit, on l'était encore plus. On a même accidenté le chabolide. Oui. Donc il faut qu'on se serve de nos maladresses. De main gauche, zigzag de zinzin et glissade à gogo. Comme des pouvoirs de maladresse. Cool, caméléon. Mais le labo de Roméo va dans tous les sens. Il va falloir qu'on se coordonne un minimum. Il arrive. Prêt? Et... partez! Je glisse super magot! Yo-yo glissade à gogo! Pouvoir du zigzag de zinzin! Phew, cool, je remarche bien droit maintenant. Les pyjamasques, vous avez encore
chercher. Pyjamask, on crie hurra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Ça fait plaisir de voir des projets de sciences naturelles normaux et pas l'expérience d'un scientifique complètement fou. Amaya, Sacha, l'instituteur veut qu'on pose notre volcan sur la table là-bas. Je m'en charge. Maintenant que je suis désempotée, je n'ai aucun problème pour gérer. D'accord, je suis peut-être un peu empotée. Il y aura une montgolfière.